Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors c'est une vidéo comme je vous ai marqué dans le titre, partenariat. Voilà, j'étais approchée par une société qui s'appelle, je crois que c'est une société qui est en Chine, parce que bon, j'ai pas l'adresse, mais j'ai vu bon, que c'était écrit en chinois, hein. Voilà, bon, les prix sont en dollars sur le site, mais je crois que c'est une société qui est en Chine, qui s'appelle Yuki in Love Art, voilà, qui fait des dyes et des tampons, et d'autres petites choses également. Donc, ils m'ont proposé de choisir sur leur site... quelques petites choses pour en parler sur une vidéo. Donc bah, j'ai accepté. Hein. Bon, j'ai pas été payée, j'ai juste eu du matériel. Voilà. Et bon. Voilà Fifi. Bonjour Fifi. Et donc j'ai reçu avant le week-end. Donc j'ai pas pu vous le faire. Enfin, avant le week-end. Avant le 1er mai. J'ai reçu donc. L'enveloppe, voilà, avec les petites choses qu'ils m'ont envoyées, que moi j'ai choisi. Donc j'ai choisi ce qui me plaisait. C'est pas eux qui m'ont envoyé leur choix à eux. Donc j'ai choisi des dyes et des tampons. Et donc je vais vous les montrer. Je ne les ai pas encore essayés. Je vais les essayer avec vous. Comme ça, ben, on verra en direct ce que ça donne, si c'est de la bonne qualité ou pas. En même temps, je vous donnerai les prix. Alors, les prix, je les ai en dollars. Donc, je crois savoir qu'en euros, ça fait un peu plus bas. Et en même temps, donc, je vous mettrai les liens de tous ces articles en barre d'infos. Voilà. Je vous mettrai les liens de tous ces articles en barre d'infos, si jamais ils vous intéressent, ainsi que le lien de la boutique. Sinon, ben, rien de spécial. Voilà. Bon, il n'y a pas énormément de choses dans cette boutique par rapport à ce qu'on peut connaître sur les boutiques en Chine. Il n'y a pas énormément d'articles. Donc, c'est pour ça que mon choix aussi était difficile. Bon, Fifi, hop. Mon choix a été un peu difficile également. Parce que, bon, j'avais une limite. Ils m'ont donné un montant. Et du coup, je voulais... bon, il y avait des choses un peu plus chères. Et bien, du coup, je voulais un peu plus d'articles. Arrête, je voulais un peu plus d'articles quand même pour que je puisse vous les montrer. Voilà, bon, elle va arrêter parce que sinon je vais me fâcher. Non, stop. Voilà. Oh, mais c'est qui le chef ici? Ben, c'est elle, c'est Fifi le chef, vous le savez. Donc voilà, je vais d'abord vous les montrer. Alors, bon, c'est bien emballé, hein, dans une enveloppe bulle plastifiée. Je l'ai reçu pas abîmé. Merci la poste. Alors, Fifi, là, il faut que tu descendes. Alors, je vais d'abord vous montrer les dyes. Voilà. Alors, d'abord, je vais les enlever du plastique en même temps. Allez. Insupportable, mais elle est insupportable. Alors, les premiers. En plus, ça, j'en avais pas depuis que j'en voulais. Donc, voilà, ça, c'est les chiffres. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hein, ça, vous le savez. Ensuite, j'ai un dice pour faire une mini-boîte. Ça, je suis contente parce que ben, j'en avais pas non plus. Ah, j'ai pris des choses que je n'avais pas tant qu'à faire. Voilà. Donc, je pense que la boîte est toute petite, hein, mais bon. Voilà. Ensuite, j'ai pris. Alors, ça, j'aime bien aussi. Pour faire un coin. Des coins de cartes. Bon, ça, j'en avais déjà, mais pas ce modèle-là, bien sûr. Alors, voilà. Alors, je vais vous les remontrer un par un en vous disant les prix.
Voilà, celui-là, j'aime bien. Vous voyez, ça fait un cœur, des fleurs. Et là, il y a encore un cœur. Donc, le cœur, bon, il est attaché, mais bon, on va le passer entier à la machine, mais après, vous pouvez le redécouper, le papier, pour mettre votre coin plus loin. Ensuite, une bordure zigzag. Ça, j'en avais pas, et j'en voulais une, justement. J'en cherchais une. Ça a bien tombé. Est grand hein, pour le dies. Voilà une bordure comme ça, donc on peut faire des cartes avec plusieurs bordures comme ça, des mini vagues. Plus c'est bien quand on fait les trucs de l'hiver avec la neige, tout ça. Là, une petite pochette. Alors ça c'est bien pour mettre dans les albums, faire des petites, quand on fait les petites pochettes. Voyez, donc ça on le replie et ça vous fait une petite pochette. Et le dernier pour le dies, j'ai vraiment pris, et ça c'est pareil, j'en avais pas, j'en voulais pareil pour faire des cartes de naissance. Alors, ça se replie aussi. Ça fait des mini tags. Voilà. Alors, là, on ne voit pas bien, mais ça fait girls et boys. Je ne sais pas si vous voyez à l'envers ou à l'endroit, là. Mais voilà. Et donc, vous repliez. Ça vous fait un mini tag. Voilà. Donc, ça, j'aime bien aussi. Bon, je vais vous les remontrer un par un en vous disant les prix. Après, je vous montrerai les tampons. Alors, les chiffres comme ça, c'est, alors je vous le dis en dollars, hein, 2,99 $. Donc je vous dis, c'est un peu moins. Je n'ai pas calculé en euros, mais c'est un peu moins, je crois, en euros. La boîte, ça fait 4,99 $. Les coins, 4,99 $ également. Chat qui fait des bêtises. La bordure 2,86 $. La petite pochette 4,60 $. Moi j'ai tout noté sur ma feuille. Et les petits tags boy et girl 3,27 $. Voilà. Donc après on va faire un essai pour voir ce que ça donne. Je vais jeter les plastiques. Les tampons, j'en ai pris que deux. Alors, les tampons, j'en ai tellement que. Alors, j'ai pris d'abord un tampon fleur, comme ça. Alors, attendez, je vais mettre un papier pour que vous voyez mieux. Voilà. Un petit bouquet de fleurs. C'est la bagarre en bas. Désolé. Il se bagarre avec Jerry. Voilà. Et ici, le dernier, c'est une planche. Allez, viens par ici, petit petit. Voilà. Que je vous mette à l'endroit. Voilà, une planche comme ceci. Donc la planche, alors, est à 2,35 $. Et la fleur aussi est à 2,35 $. Donc on va faire un essai aussi, on fera un essai avec la fleur. Donc pour l'instant, on va faire un essai avec les dies. Alors, on va sortir la big shot.
On va essayer avec un cardstock. Alors, on va essayer d'abord. Bah, on va essayer le coin, le plus grand justement. On va voir ce que ça donne. Puisque c'est lui qui a le plus de détails. Hop, on va mettre un petit adhésif pour que ça tienne bien. Ouais. Il serait peut-être temps que je la change. Hein. Mais bon, elle peut encore rouler. Allez, je tourne, je tourne. Ah oui, oui, oui. Bon, moi je passe toujours deux fois quand il y a beaucoup de détails. Voilà, on va voir. Déjà. Parce qu'à deux fois, ça prend. Je vais pas décrocher tout de suite. Je vais regarder si deux fois, ça suffit. Donc, ma petite brosse. Ouais, deux fois, ça a l'air d'aller. Oui, deux fois ça va, on dirait. On va le décrocher. Attention. Il y a des arabesques dessus, donc peut-être pas les déchirer. Ah ben, il se décroche. Ah ben, ça va. Ça se décroche tout seul. Ben, impeccable, hein. Donc, voilà. Le premier coin. Je vous montre avec le papier blanc. Vous le verrez mieux. Voilà, vous voyez. Il s'est fait tout seul. Même avec l'arabesque ici. Nickel. Et donc, et le deuxième. Alors, par contre, il va falloir faire attention, vous voyez. Alors, le deuxième a du mal, par contre, à se retirer. Non, ça, c'est rien, c'est un petit... J'ai du mal à récupérer le deuxième. Ah! Ah, voilà. J'ai juste trouvé le petit coin qui voulait s'en aller. Bon, il me reste quelques petits carrés qui n'ont pas passé, mais ouais, vous voyez, il y a quelques petits carrés qui ont du mal à partir. Mais ça va. Bon, deuxième a un peu plus de mal. Bon, un petit troisième passage n'aurait pas fait de mal à cause du deuxième. Vous voyez, il me reste quelques petits carrés. Alors, par contre, je vais dire qu'il y a une... Il va falloir faire gaffe. Parce que regardez, vous voyez déjà, je vais essayer de vous montrer dans quel sens. Là, ça commence, ça se plie déjà au premier truc. Donc, parce que les attaches ne sont pas. Bon, là, en le remettant, ça va. Donc, il faut faire attention aux attaches ici, les deux attaches là. Mais bon, s'il se casse, c'est rien puisque c'est un deuxième coin. Donc, voilà. Bon, le coin est pas mal. Bon, le deuxième,
besoin d'un autre petit passage. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Je valide. Alors, on va refaire un. Alors, lequel on va faire? Comme il reste du papier sur celui-là, on va faire les petits tags boy et girl. Je remets mon petit scotch. Oula. Bon, j'espère que deux fois ça suffit. Oups. Ah bah oui, ils sont partis direct. Voilà. Eux sont partis direct. Alors, ce qu'il faut, c'est les plier. Alors, ce qui... Voilà, ça vous fait un petit tag comme ça. Donc, dans l'idéal, moi, je dirais de peut-être de refaire un tag comme ça et de garder que cette partie-là et de la coller ici pour faire ressortir, mais dans une autre couleur, pour faire ressortir le mot. Parce que là, bon, vous voyez... mais sinon, vous avez vu, nickel. Et ce sont des décrochés tout seuls de la feuille. Donc, je valide aussi. Bon, ils sont restés accrochés sur la feuille. Hop. Donc, cela, je valide. Et ben, on va essayer la boîte. On va essayer la boîte. Deuxième passage. On va voir si c'est bon avec deux passages, comme d'habitude. Que ça suffit. Alors, il faut que j'aille rechercher. Bon, les petites fleurs ont l'air de bien se décrocher déjà. Voilà. J'ai le bout. Bon, il reste des petits pétales là, des. Tous les petits trous sont pas vidés, mais bon, ça, voilà, un petit coup de... C'est pareil, bon, un petit passage supplémentaire, mais sinon, la découpe est nickel. Alors, par contre, comment ça se plie? Parce que je n'ai pas la notice. Parce que regardez, vous voyez, il y a plein de pointillés. Alors, comment ça se plie ce truc? Parce que ça, par contre,
Il aurait peut-être fallu une petite notice en plus. Juste un petit schéma pour montrer comment on plie la boîte. J'enlève les pétales là qui restent. Celui-là, il ne peut pas s'en aller. Bon. Ah, là, il y en a qui partent. D'accord. Là, il y en a qu'il faut enlever. Alors, maintenant, trouver le pliage. Là, c'est autre chose. On va y arriver. Bon, déjà, je pense qu'il faut plier tous les côtés. Ouais, ça, il manque la notice de pliage. Bon, ensuite, quand j'ai fait ça, je suppose que je plie là. Ça va les filles? Oh là là. Après, je dois plier là. Allez. Me permettez-vous un jeu de mots? C'est un casse-tête chinois. Bon, là, j'ai pas tout capté le truc. Ouais, il faut coller, je pense. Bon, là j'ai pas tout compris, pourtant je suis pas bête d'habitude. Alors, non, je capte pas là. Donc, je reviendrai sur le site. Mais pourtant, j'ai pas vu de plan sur le site, je ne pense pas. Là. Oui. Là, comme ça. Là, ça va comme ça. J'ai peut-être trouvé le fond. En tout cas, c'est vraiment une mini boîte. Hein. Alors, le fond, c'est bon, j'ai trouvé. Non, Fifi, c'est vraiment pas le moment. Alors, hop. Bon, alors le fond, ça doit être comme ça, je pense. Et c'est le dessus qui me... Ah oui, ça y est, attendez. Ça, c'est les petits manches. Oui, je me rappelle qu'il y avait des petits manches. Je crois avoir compris, mais là j'ai pas compris.
Il y a encore des pointillés là. Bon, je vais chercher les filles. Donc, bon, à la base, voilà la grandeur de la boîte. Bon, le pliage n'est pas bon, hein, je vous le dis. En dessous, oui. Mais sur le dessus, non. Mais voilà la grandeur de la boîte, vous voyez, ma main. Voilà, je valide la découpe. La découpe, c'est bon. Mais je ne valide pas le pliage. Là, il manque juste un petit plan, un petit dessin mis dans la pochette pour expliquer comment plier. Voilà. Je vais chercher sur leur site internet ou sinon je vais chercher sur internet sur un autre site qui vendrait ce die et je referai une vidéo pour vous montrer comment on plie. Voilà, désolée, j'ai des failles aussi. Oui, voilà la grandeur de la boîte. Bon, c'est vraiment mini, mais bon. Bon, donc je la valide à moitié. Je valide la découpe, quand même. Donc, voilà. Alors, la pochette, je ne sais pas si je vous la fais, parce que bon, c'est bon aussi, hein, mais là, je n'ai pas usé tous les papiers. Donc, la pochette, c'est pareil, elle ira très bien, et là, c'est facile. Il y a juste à la replier. Et les chiffres, bon, ça, vous connaissez toutes. La plupart de vous, d'entre vous les ont. Bon, donc ça, on le refera. Alors, je mets ta mixture de côté. Oh là là, j'ai plein de petits papiers là. Alors, les tampons. Donc, j'ai dit que j'allais faire le tampon fleur. Voilà. Donc, je vais prendre ma fausse Misty. Il y a encore un tampon dedans. C'est pas bien, Edith. Il faut que je change son carreau à ma fausse Misty. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est neuf, pas toujours du mal. Donc voilà, je vous montre comment ils sont. Hop là, donc on va le faire là. Je vais prendre ma Memento. Faut que je me rachète des pattes d'encre parce que je commence à être. Alors, on va voir si ça prend bien l'encre. Oh, pas mal. Ça va. Bon, alors je vais l'essuyer, je vais refaire. C'est peut-être moi qui ai mis trop d'encre, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Pas mal. Un passage. Donc je vais la refaire sur le côté. Je vais l'essuyer. Parce que mon pad commence à s'éplucher. Et donc, il fait des pluches sur mon tampon. Et ça, c'est pas bien. Donc, on va le refaire. On va le mettre là. Mes aimants. Si je mettais le tampon là où il faut,
Ah, c'est bon, j'ai pas mis assez d'encre. Moi, je vous dis, mes tampons commencent à être fatigués. Là, donc, c'est pas le leur tampon à eux, là, c'est mes pads. Voilà, impeccable. Et ben, je valide leur tampon. Regardez, voilà. Nickel. Vraiment nickel. Bon, je valide. Pas de souci. On va les tuer tout de suite. Fifi. Donc voilà. Et ben, je valide leur matériel. Il n'y a aucun souci. Bon, niveau prix, c'est peut-être un peu plus cher que qu'une autre société chinoise qu'on connaît. Mais je vous dis, ça vient peut-être du fait aussi que eux ont moins de choix. J'ai été livrée assez rapidement parce qu'ils m'ont contacté il y a quand même moins d'un mois. Le temps que je choisis, que je leur envoie ma pseudo-commande, ça a pris quand même, je vais dire quoi, 15 jours. Voilà. Donc, non. Hop, j'ai mis de l'encre. Donc, non, ça a été assez rapide. Donc, non, bah, je valide. Bon, je reviens sur l'histoire de la boîte. Là, je vais quand même trouver le truc. Il faut que je le trouve. Parce que ça m'embête d'être restée sur un échec. J'aime pas ça. Et je vais trouver le moyen de faire cette boîte. Je vous la montrerai. Mais sinon, oui. Bah, donc, je valide tout. Bah, je ferai des cartes avec les différents dies, hein. Bon, celui-là du coup vous l'avez vu, je sais plus où j'ai mis le petit papier blanc là. Non, c'est pas là, j'ai perdu mon petit papier blanc. Non, bah, il est là. Voilà, donc celui-là je le valide également, avec son petit cœur que je ne sais plus où j'ai mis, mais son autre petit cœur qui vient là dans le coin. Non, bah écoutez, je valide leur matériel. Bon, je ne dis pas du bien parce qu'ils m'ont contacté et qu'ils veulent que je dise du bien de leur société. Si ça n'aurait pas été, je leur aurais dit. Hein. Je suis assez franche pour le dire. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Quand c'est bien, il faut le dire aussi. Donc, non, bah, je valide ce qu'ils m'ont envoyé. Et puis voilà. Donc, bah, écoutez, moi, je vous mets en barre d'infos donc les liens de tous ces articles. Comme ça, si vous voulez les retrouver et puis voir en même temps ce qu'ils ont d'autre sur leur boutique. Et puis, voilà. Hein? Bon, bah, on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Donc, la prochaine vidéo, bah, c'est la fin de la commode, enfin. Ça y est, j'ai reçu mes tissus. Ah, arrête. Donc, vous allez voir la fin de la commode. Et après, la prochaine vidéo, pardon, ce sera ce sera Fifi dans le four. Mais je vais te mettre au four. Et tu vas aller dans le four. Fifi. Cuite au four avec des petits oignons, des petits champignons. Tu veux? Non, non, on va pas faire cuire ma fifi. On va pas faire cuire ma fifi. Non, on ne fait pas de mal à ma fifi. Puis celui qui viendrait faire du mal à ma fifi. Oh, maman, elle serait méchante. Hein? Oui, maman, elle serait méchante. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve rapidement pour de nouvelles aventures. Bye bye, à bientôt.